Ouais, je suis au téléphone. J'ai commencé la vidéo. J'étais cherché, c'est la fatiguée. Je finis bientôt. D'accord. Ok. Bon, après une tentative manquée de tout à l'heure, nous revoilà. Commentez au moins, dites bonjour pour que je voie si ça se fait. Vous m'entendez? Bonjour à la reine Michel. Voilà. Bonjour aux hommes, bonjour aux femmes. Je demande la clarté pour pouvoir vous parler. Je demande aussi que vous ayez que vous soyez illuminé, que les paroles que je vais prononcer ici, ce soit des paroles de réconfort qui vous apportent la direction, surtout la direction. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent et vous croyez qu'en fait que ce que je dis dans mes vidéos, c'est fait pour d'autres personnes. Je parle à vous. Voilà. Donc, je suis la reine Jocelyne. Pour ceux qui viennent de se connecter, qui viennent de tomber sur ma page, je suis tout ce que vous voulez. Je suis une reine, je suis incubatrice au potentiel. Coach, mentor pour certaines personnes, tradipraticienne pour certaines personnes. Pour certaines personnes, on va même dire ça, juste de confiance. Je sais pas, mais je sens que je vais te t'enlever. Ouais. Ouais. Pour certaines personnes, sorcières même, ouais. J'ai des décepticons qui me disent que je suis sorcière, donc super. Ok. Aujourd'hui, je suis là, je vais parler en tant que coach et en tant que votre sister, ok? J'ai beaucoup de femmes très talentueuses qui me suivent. Vous avez beaucoup de dons. Vous vous retrouvez enchevêtrés dans... à accepter les opinions des autres personnes. Et ces opinions-là, en fait, vous mettent dans une situation où... Voilà, tu es déjà marié, non? Tu es déjà l'homme dans ta vie, non? Pourquoi tu veux autre, quelque chose d'autre? Tu es déjà l'homme. Tu es déjà l'homme. Non, c'est la cloche à vache, mamie. Vache, n'importe quoi, c'est la cloche. Une cloche, c'est une cloche. Pour moi, la cloche, c'est la cloche. Que ce soit, il pourvu que quand tu fais, ça fait le son que tu veux. That's the most important for me. Donc, j'ai beaucoup de femmes que je suis avec qui je parle. Et vous vous retrouvez en train de faire l'objet ou bien assujetti, on va dire comme ça, à l'opinion d'autres personnes. J'ai une dame qui a voulu être avec son gars depuis longtemps. Il a beaucoup d'argent. Hein. Il est même dans l'armée. Il a une belle position dans l'armée. C'est le genre d'homme qui te touche un cachet de 15 à 17 000 euros par mois. Donc, il a l'argent. Et la personne peut lui ouvrir les portes. Non, la dame elle-même là, elle-même, elle a une énergie. Elle peut lire ton aura. Elle peut te débloquer. Quand tu fais un travail spirituel, elle peut voir quelles sont les entités qui sont présentes, les ancêtres qui sont là. Elle a les rêves prémonitoires. Et dans les rêves, les ancêtres lui passent les messages pour elle et pour d'autres personnes. Quand tu parles avec elle, je veux finalement me marier. Je veux qu'il vienne. Ouais, il faut que. Il avait dit qu'il ferait ceci. Je dis, tu ne vois pas ton potentiel. Regarde les dons qu'il y a en toi. Non, il m'a dit que. Ça fait 6 mois qu'il m'a dit qu'il devait aménager avec moi. Il ne veut pas aménager. Pourquoi? Voilà. Je dis, waouh. Beaucoup d'entre vous, vous vous retrouvez en train de diminuer vos projets, votre vision,
vos dons à cause du sexe opposé. Certaines parmi vous, vous devez accepter que vous êtes trop puissante pour sortir avec quelqu'un. You're just too powerful to have a man. You are too powerful for a man to stand next to you and say, this is my woman. Tu es trop puissante pour qu'un homme reste à côté de toi et dit que voici ma femme. Parce que seulement l'instant où il va prononcer que voici ma femme, c'est vouloir te diminuer. Je ne suis pas féministe. Je ne suis pas gay non plus. J'aime, vous voyez un peu. Je ne veux pas être grossière ici. Mais je pense que il y a des personnes qui diminuent l'image qu'elles peuvent avoir d'elles. Ou encore l'impact que ces personnes peuvent avoir sur le monde. Vous vous diminuez parce que vous voulez faire plaisir aux personnes qui sont autour de vous. Tu as arrêté 4 relations, 5 relations. Parce que quand tu étais avec l'homme, tu touchais 5 millions. Il était dans 400 000 au mois. What are you talking about? Tu lui dis que, babe, voici comment je gagne de l'argent. Fais ça, ça, ça. Moi, je dois aller boire avec les amis. Il est en train de boire, toi, tu bosses. Écoutez, ça fait en train de chauffer à l'intérieur de moi. I'm tired. Il y en a parmi vous. Vous êtes des machines. Vous êtes des machines. Tu peux dormir 3 heures par nuit. Et un petit secret. Certains de vos hommes là, ils sont avec vous. Parce qu'ils savent qu'avec vous, ils ont la sécurité. Ma femme a toujours les solutions. Ma femme prie. Quand elle prie pour toi, il parle, couche à gauche, à droite. Il sait que tu vas prier pour lui. Il porte n'importe quelle malédiction là-bas, tu vas prier pour lui. Certains d'entre vous, vous avez la puissance. De genre que quand tu mets ta main sur l'homme là, comme bam, tous les mauvais esprits qui sont sur lui. Il est un peu embrouillé comme ça là. Tu t'assois avec lui, tu remets ses idées en place. Que tu sais qui tu es. Tu es mon homme, tu es ceci, tu es cela. Il dit, ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Ne m'aille pas te tromper. Ma chérie, il ne peut même pas d'abord te quitter. Tu es la reine mère. Tu es la queen mode. On m'a dit, c'est moi, j'ai mes folies souvent. Hein. Tu es la queen mode. Est-ce que vous croyez que c'est... Vous vous diminuez trop. J'ai la femme d'un milliardaire camerounais qui est venue fois me voir ici en consultation. En faisant le direct, elle n'a même pas prononcé une parole. Parce qu'elle connaît que c'est des sept du consom plein sur Internet. Elle me dit, l'homme là, je l'ai aidé à construire l'entreprise qu'aujourd'hui m'a jeté à la porte. M'a mis à la porte. Il a découvert que je le trompais. Je suis sûr que le monsieur n'était pas très très au lit. Je ne sais pas pourquoi, mais oh. Elle a trompé une fois, il a découvert. Il a oublié toutes les années qu'ils avaient passées ensemble et qu'ils avaient construit quelque chose ensemble. La femme vient devant moi, elle est en train de pleurer. Elle me dit qu'elle souffre depuis 4 ans. Ils sont sous le même toit. Ils ne la regardent plus, ils ne la touchent plus. Et chaque fois, et ça lui a donné l'autorisation d'aller officiellement avoir une dehors. Je lui dis que ma chérie, il avait déjà des autres depuis même. C'était seulement l'alibi. Il fallait l'alibi. Je la fais asseoir. Je dis qu'il faut que tu arrêtes d'avoir tes bêtises là. Parce que vous savez que quand vous venez me voir en consultation, mais blague, parlez-vous. Tu me dis qu'avant que tu n'entres dans son entreprise, on le volait à gauche, à droite. C'est toi qui es venu restructurer tous les départements. Tous les banquiers te connaissent. Ouais, ok. Tu connais comment l'homme a construit son entreprise de la base jusqu'au sommet, si on va appeler ça sommet. Il te met à la porte, ma chérie. Tu crois que tu ne peux pas? Tu as un carnet d'adresse. C'est toi qui as construit l'homme là. C'est toi qui l'as fait. Écoutez, l'humilité n'est pas bien. Parce que vous définissez mal l'humilité. L'humilité, c'est que je connaisse qui je suis. C'est que je connaisse qui je suis. Et je refuse d'aller en dessous. Certaines parmi vous, vous êtes même reine dans le monde spirituel. Vous êtes reine de l'eau. Certaines reines du ciel. C'est pas que voilà. On te menace, on te parle mal.
Tu le regardes comme ça, tu dis, est-ce que tu connais que si j'ouvre ma bouche, je prononce deux paroles sur le petit cela, est-ce qu'il connaît que ça va le détruire? Des menaces. J'ai consulté une dame hier. Mes consultations, ce n'est pas feeling. Si vous avez payé, je ne vous ai pas encore consulté. Je vous en prie, écrivez-moi encore. Parce que quand tu n'es pas prêt, là, on ne peut pas se parler. Bonjour, la reine Larissa. Ah. Voilà. Il y a aussi une chose. Parce que c'est quand je pense à cette dame-ci que ça me rappelle ça. Beaucoup d'entre vous, vous avez des pouvoirs à l'intérieur de vous. Et parfois, des personnes dans les églises, ça s'est manifesté, ils ont commencé à dire les posséder. Parfois, quand tu étais petite, on disait à ta mère que ta fille, c'est là. Du coup, on t'a dit qu'il y a un mauvais esprit en toi. Alors que c'est ton guide spirituel qui essaie de se manifester. Bonjour, Gilbert. Elle me dit donc qu'un jour, elle fait toujours profil bas, profil bas. Elle avait un miome. Parce que les personnes qui ont trop de pouvoir sont souvent très attaquées. Parce que quand l'ennemi va t'attaquer, il va dire, ok, si tu as le pouvoir, pourquoi tu n'arrives pas à te soigner toi-même? Elle a eu un miome qui a fait qu'un jarre, qu'on a enlevé tout son utérus. 43 ans. Elle dit un jour, je ne sais pas ce que son mari avait fait. Elle était tellement fâchée. L'esprit qui est en elle là a commencé à parler à son mari. Quand elle est revenue en elle, il a dit que j'ai peur de toi, que gars, je ne peux plus m'amuser avec toi. Oui, Larissa. Ils t'ont chassé, non? Oui, je connais. Je sais. Parce que ce qui n'arrive pas à maîtriser ou à emprisonner, il chasse ou bien il frustre. Parce que s'il y a un esprit en toi qui veut communiquer, qui veut te montrer la direction, et ton élément c'est l'eau, et quand on vient te dire le contraire, ah, prie, tu chasses l'esprit de l'eau là. Prie, tu chasses, te voilà chaque jour. Ça doit partir. Alors que tu dois t'asseoir, tu acceptes que. Parlez-moi maintenant, parlez-moi. Je prends maintenant mon trône. I take my throne now. I take it. Arrêtez de me traiter de sorcière ou de folle. Et tu connais que ça marche parce que tu. Tout ce qu'ils t'ont dit là, tu as fait ça marcher. Ils n'ont des wakano. N'est-ce pas? Écoute ce que ton esprit te dit. Fais. La première chose d'abord, c'est que ça va t'apporter l'argent. Et les gens qui jalousent ça, ah, voilà, son argent là n'est pas normal. Non. Écoutez. Je ne sais pas pourquoi vous aimez la souffrance. Vous aimez la souffrance. Parce que pouvons-nous dire qu'il y a la vertu dans la souffrance. Que non, quand tu souffres. Écoutez, quand tu avais ton petit boulot de ménagère, ton petit boulot de caissière, tu avais maximum 100 000 francs le mois. Maximum. Ah, c'est bien. Avec 100 000, on ne peut jamais acheter le terrain. Eh bien, je vais avancer comment? Non, il faut garder ton boulot, c'est bien. Quand tu commences à découvrir le pouvoir que tu as, donc je peux manger mon don, je parle. Dans la journée, là, je présente le produit à n'importe qui, la personne achète. Tu dis, monsieur, ça, j'ai acheté ça à 500, monsieur, donne-moi 50 000. Il dit, je paye comment? Orange Money ou MTN Money. C'est ce qu'on appelle la puissance là-bas. Tu es dans le marketing de réseau. Oh my gosh. Quand les gens souffrent pour vendre, on n'achète pas mes produits. Tu bâches, tu mets dans le sac. Chaque semaine, tu commandes seulement 500 000 commandes. Parce que ta bouche, tu as découvert ton pouvoir. Et tu as accepté. Ton pouvoir, ce n'est pas pour la déco. Ce n'est pas seulement pour les prophétiser chez les gens à l'église. Ton pouvoir, c'est pourquoi tu restes comme ça, tu connais le business qui va marcher. I feel it coming. Tu fais. Je ne sais pas, mais j'ai eu une vision ce matin à 5h30.
Un mec est venu dans mon rêve. Un mec m'a dit de vendre les objets, des objets d'art. Dès que tu te réveilles, tu pars en ligne. Objets d'art. Comment transporter un conteneur de la Turquie au Cameroun? Dans mon rêve ce matin, une dame m'a dit, je me suis vue avec plein de conteneurs devant moi. Écoutez, vous ne connaissez pas comment le spirituel fonctionne. On vous a menti. Tu communiques directement avec Dieu pour ta situation. Oh, non, tu dois prophétiser que ma soeur, c'est bien. Tu passes ton temps à l'église et tu pries pour les gens qui guérissent. Tu prophétises, tu finis, tu rentres à la maison. Même le loyer, tu n'arrives pas à payer. Même le loyer. Il est temps que tu arrêtes. Arrête de te diminuer pour que les gens autour de toi se sentent bien. Quand on sait que tu as une petite starlette. Oh, la starlette. Oh, c'est bien. Je suis à la voiture, machin. Tu as la starlette. Le jour où tu vois la Mercedes, brand new, ils vont croquer leur langue, ils vont avaler, ils vont boire l'eau. Les gens sont confortables quand vous souffrez. Voilà encore un autre truc qui sort souvent. Tu es soit avec le gang, tu sois avec le job. On te fait des propositions. Et il y a certains d'entre vous, vous avez un charme naturel. Seigneur, l'onction de ça, l'onction de ça. Tu passes quelque part, s'il y a 50 hommes, les 50 hommes vont te regarder. Ma chérie, voilà. Voilà. Oh, shit. What word can I use? Oui. Apportez, je vais vous montrer. Demande le Nido. Achetez le lait Nido. Je veux du lait Nido. Achetez le Nido. Deux. Avec le sucre. Allez chercher le Nido, venez avec. Et vous fermez ma porte d'abord, pâté. Tu utilises quel des deux? C'est ça qu'il voulait même. Les deux. Sortez là-bas et finis mon direct. Sortez-vous. Hey! Non, laissez. Sortez. Merci. Elle ne va pas mourir de famine, t'inquiète pas. Je disais ceci. C'était parmi vous, vous avez le... Vous êtes des charmeurs nés. Homme comme femme, tu as une personnalité que quand tu arrives quelque part, tu attires les... Donc, c'est facile pour toi pour parler aux gens. Hey, bonjour. Si c'est l'enfant de 5 ans, tu le prends, tu mets dans la poche. Le père de 35 ans, tu mets dans ta poche. La femme de 35 ans, tu mets dans ta poche. C'est pas que tu veux draguer les gens, mais c'est dans toi. Le jour où tu sois avec ton mari, ah, tu vas-y, ça. Tu es trop qu'on te voit. Tu es trop qu'on te voit. Te voilà, avec le, tu es à l'aéroport avec lui, tu te caches. Tu es derrière l'homme, derrière. On n'achète pas parce que tes produits sont trop bons, hein, ma chérie. Écoutez bien. Larissa. Donc ton pasteur la voit maintenant. Oh, vos pasteurs. Ils ne m'ont pas encore attaqué directement. Vos pasteurs ne m'ont pas encore attaqué directement. Parce qu'ils connaissent leur remède. Ils leur remède. J'ai traversé ça. L'étape des pasteurs, de leur jugement, de leur... Ils m'ont dit tout. Oh, tu as l'esprit de ceci. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Jusqu'à quand il me suis trouvé. Il dit que donc je suis reine et vous m'avez jamais dit. Alors que Jésus est le roi des rois. Never, stop that. I ain't taking that shit, man. I'm done with you. I'm done. What are you talking about? I'm done.
I'm done. Tu as un don oratoire. Charles Fauding sera à Libreville peut-être vendredi la semaine prochaine. Tu as un don oratoire prononcé. Tu arrives quelque part. Si c'est n'importe quoi que tu as même porté sur toi. Voilà encore un signe. Tout le temps, les gens sont en train d'apprécier ce que tu portes. Waouh! Si tu as trouvé ça où? Waouh! En fait, c'est ton onction. Il est plenty on you. Voilà ton mari à côté de toi. Déjà, depuis 15 ans que vous êtes en Angleterre, là, il ne parle pas l'anglais. Toi, tu parles de l'anglais. Tu es fluente en anglais. Tu es fluente en turc. Tu es fluente. Tout, mais t'es allemand dont tu parles. Tu as quelque part. Good morning, sir. Yeah, can I help you? Oh, okay, that's fine. That's my husband. Yeah, okay. Yeah. Yeah, no, that's okay. Yo, yeah. We're going to take this one, okay? Le voilà. Good morning. Yes, this is my wife. I told her to come here. Yes. Pour entrer à la maison, il dit, tu parles trop. À la fête là-bas, tu voulais montrer que tu parles l'anglais plus que moi. Écoutez, vous savez que c'est ce que vous vivez. Vous savez. Dis-moi fort ce que vous pensez, mais vous n'osez pas dire. Tu dis, le mois-ci là, il faut que je me fasse même 15 000 euros. Tu rentres de ton boulot d'infirmière, dès où tu as 3-4 000 euros là. Ok. Te voilà en ligne, tu apprends à faire un truc. Tu apprends à faire les sites internet. Tu apprends seul, hein? Tu apprends ça. Tu apprends à faire les ongles. Tu peux maquiller un mariage, on a 500 dollars. Tu peux maquiller, dada, on te donne. La fin du mois, 10 000 dollars dans la caisse. Lui, il a rapporté 4 500 dollars. Tu apportes ton argent, tu déposes. Écoutez, vous devez même arriver aux résolutions où là, c'est une réunion. Tu dois faire dans 10 réunions. Tu dis à monsieur que tu fais 3 réunions. Mm-hmm. Tu portes l'argent de cette réunion-là, tu réinvestis. J'ai même dit à l'autre ce matin que mamie, pour garder la santé de ton mariage, les autres réunions-là, mets à côté, tu ne les dis pas. Quand tu bouffes, tu peux te retrouver à ta femme, surtout, elle a même 10 millions à la maison. Elle a bouffé deux réunions, hein, que pouf, prends, hein, réinvestis. Il y a les cercles de gens ici, là, que ils se mettent ensemble, il faut les cotisations. Imagine, tu bouffes la réunion et tu prêtes encore l'argent le jour là. Tu empruntes, pardon. Tu te retrouves avec 30 millions comme ça. Cherche quelqu'un qui fait même peut-être les conteneurs. C'est que je pars en Turquie, j'achète. J'envoie. Tu me payes ça cash une fois. Donc je mets mes 30 millions dans le conteneur. Dès que ça arrive, tu me donnes 45 millions. Ni vu ni connu. Il ne veut pas suivre parce que si il veut suivre ça, le mec dit ça va derrière moi. Qui t'appelle? Oui. Le gars là, il veut te draguer. C'est ça. Chérie. Celle du matin, si elle m'a dit ceci, elle me dit, mon meilleur ami. elle dit que la danse est son meilleur ami. J'ai dit, mais ça c'est une bonne. Mais oui. Parce que les femmes, écoutez, les femmes choisies, on aime les challenges. Moi, ce qui m'excite plus, c'est les challenges. Tu vas venir me montrer quelqu'un déjà de corps que je n'ai pas encore vu, que je ne peux pas avoir. C'est qui? Tu l'as appelé pourquoi? Vous déjà vous dit quoi? Non bébé, c'était le business. C'était le business. Oui, tu connais la robe rouge que quand tu portes là, ça ébruise vraiment les gens. Porte ça, tu mets le rouge à lèvres rouges. Mets ton rouge à lèvres rouges. Oui. Qui que ce soit, je suis occupée. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Malheureusement, ces personnes vont vous mettre des dialogues dans la tête qui vont vous distraire. Et comme ton argent, tu ne le produis qu'avec ton énergie. C'est-à-dire, tu peux te lever, tu dis, je dois en faire 1 million aujourd'hui. C'est tout ce qu'il y a dans ta tête.
B se réveille le matin. Je n'ai pas mangé, pourquoi? B, il y a la ménagère de dimanche qui va venir cuisiner. Pourquoi je... Ouais. Ce sur quoi tu mets ton focus, c'est ça que tu vas produire. Point à la ligne. Period. On ne dit rien d'autre. Et les choisis sont des gens tellement puissants qui malheureusement pour la plupart ne se connaissent pas, que tout ce sur quoi tu vas mettre ton énergie, ça va grandir. Ça va se multiplier. Donc je vous en prie, faites l'effort. Il y a certaines choses que vous allez devoir cacher à madame. C'est pas que tu veux la tromper ou quoi. Quand quelqu'un comprend ou pas, hein, tromper, ça devient la dernière préoccupation. Le sexe, c'est quoi? De toutes les façons, même le sexe, que tu sois homme, tu vas acheter le sexe, ou tu sois femme, tu vas acheter le sexe, il faut l'argent. Donc si tu n'as pas l'argent, tu es foutu. Vous n'avez pas encore compris. Même les femmes que ton homme te dit qu'il peut aller draguer dehors là. Quelle femme va venir sortir avec nous parce qu'elle ne donne pas l'argent? Il faut que lui-même il ait l'argent. N'est-ce pas? Voilà. Mais j'ai tel problème. Il y a mon loyer. Il y a mon ceci. C'est pour ça, c'est tout. Les petits tisalas, c'est ça que je cherche, non? Donc, autant mieux qu'on coupe tous les petits cordes là, on va droit au point. Lève-toi, tu cherches ton argent. Parce que l'argent est d'abord sucré. L'argent, ça impose le respect. Écoutez, tout ce que vous allez me dire là. Faites la réunion familiale. Tu viens en retard. Et en venant, tu as déjà envoyé 4 casiers de Saint-Jack Daniels. Tu as envoyé même un traiteur qui est venu livrer la nourriture là-bas pour qu'on mange. Et tu as demandé à donner 50 000 à chacun de tes oncles. T'inquiète pas, ils vont t'attendre. Ils vont t'attendre. They're gonna wait for you. Non, attendez encore un peu, Jocelyne n'est pas là. Non, on ne peut pas décider. Ah non, non, attendez encore un peu, Jocelyne n'est pas là. Vous parlez même de quoi? Combien de fois vous a manqué de respect dans vos familles? Hein? Dès que tu appelles, on regarde le numéro. Tu postes dans le groupe. Même si c'est intéressant. Ce que tu dis là, c'est intéressant et c'est vrai. Ta bouche, on ne va pas t'écouter. Le tonton qui donne l'argent. Même s'il poste un truc que c'est bête. Tu vas voir les gens qui font. Oh Seigneur. Écoutez. Please. Be smart. Soyez sage. Je n'ai pas compris ça jusqu'à ce que je me décide et que je vais avoir l'argent. Je vais avoir l'argent. Pas dans ma vieillesse. Je rencontre un monsieur à l'aéroport hier. Alors tiens, on s'assoit. On cause. Il me fait, ouais, tu sais qu'une femme comme moi, quand elle rencontre un homme, première chose qu'il veut faire, c'est me draguer. Ouais, dis-moi un peu, parle-moi un peu de toi. Il dit, monsieur, moi je suis focus sur l'argent. Je veux gagner l'argent, je veux avoir l'argent. Il rit. Ah, tu sais, l'argent, c'est pas tout. Hein. En tout cas, moi, j'étais à partir. J'étais plus dans le dialogue avec lui. I wasn't in the dialogue anymore. Non, tu sais, moi je suis fidèle. Hein. J'ai eu un salaire de 150 000 pendant 2 ans dans une boîte. Je suis resté comme ça fait. Si tu as fait 2 ans dans une boîte, 145 000, si il fait, ok, supposons que tu fais une augmentation de 50 000 chaque année, tu te retrouves, c'est que tu es dans les 350 000 maximum, pas moins. Même en une journée, je ne les fais pas. Ce que je gagne la journée, ça dépasse ça. Donc, on ne peut pas parler. We cannot talk, boy. Votre puissance veut s'exprimer. Je ne peux pas vous dire, vous savez le nombre d'opportunités de business que vous avez eues. Vous savez. Je n'étais pas sage. Tu vas devenir sage. Ne vous inquiétez pas. Vos décepticons me suivent, mes ennemis me suivent, mes amis me suivent. Suivez-moi, il n'y a pas de problème. Du moment où vous êtes derrière moi, ça va, je suis devant. Commencez à devenir sage. Ce n'est pas tous les terrains que tu achètes que tu vas diaber. Ce n'est pas tous les collabs
Madame, on veut travailler avec vous. Écoute, même si ta bouche glisse la nuit, il te fait ça n'importe comment. Baby, tu sais. Naweti. Ferme ta bouche. Il t'a déjà découragé pour 50, les 50 derniers business que tu veux lui montrer. Il t'a découragé, non? C'est ça? Ah, tu sais. Non. Moi, ils vont te draguer. Ah, ils vont te manquer de respect. Te voilà encore, tu portes ta bouche. Te voilà. Par là, tu ouvres la bouche, tu dis. Ouvre seulement tes pieds. N'ouvre pas la bouche. Tais-toi. Reprenez le contrôle de vos pensées et de votre vie, s'il vous plaît. Mon but, c'est que si tu me regardes une fois, que tu ne m'oublies pas. Tu ne m'oublies pas. Tu ne vas pas oublier que la femme l'avait parlé. Malgré le fait qu'elle était bizarre, elle avait la tête rasée, elle était bizarre. Mais ce qu'elle a dit quand même, ça m'a un peu giflé quelque part. That's the point. Parce que quand tu passes sur les statues des gens, tu vois les gens manger leur argent, ça t'énerve. Ça t'énerve. Ça fait mal. Je pouvais avoir l'argent, j'ai refusé l'argent. Voilà. Elle a un nouveau sac. Elle voyage encore. Elle a une nouvelle voiture. Écoutez. Pas besoin d'être jaloux. Get your own money. Get your money. Il y a une fois, je travaille avec une Jamaïcaine là en Angleterre. Elle me dit, quand je sors, when I go out, I always take my vex money. And I'm like, what's vex money? Elle dit que quand elle sort avec une, quand tu l'invites, elle prend toujours son argent de la fâcherie. Elle dit, what's vex money? Elle m'explique que vex money, c'est quoi? Je sors, on part, on mange. À un moment de la soirée, tu fais un peu que j'ai mon argent taxi pour rentrer. J'ai mon argent pour payer mon plat que j'ai mangé. Je porte mes pieds sur le pas. Et regarde, ça c'est le vex money. Hein? Oh my god. Ça c'est m'a dit ça, ça fait même 8 ans. Hein. C'est resté dans ma tête. Je dois, I need to have my vex money. Tu dois avoir ton vex money dans un compte quelque part. Et le vex money augmente tous les jours. Oui. Certains ne doivent pas savoir que tu économises l'argent, homme comme femme. Parce que quand quelqu'un connaît toutes tes options là, il no good. Il no good. Il no good. Bon, c'est terminé. Hop. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en direct. Ne toquez plus à ma porte. Merci. C'est la nourriture. La nourriture, c'est passable. Thank you. Hey, Jesus is Lord. Mes employés souffrent moins, vous dites, moins blague. Bon, je vous disais que j'ai presque terminé cette vidéo. Et que... Donald, on va faire les lavages tout à l'heure. Lavage pour l'examen. Lavage et examen tout à l'heure. Il n'y a que les fous qui croient qu'ils vont rester, ne vont rien faire. Même si le faux lance la poule au village. Si le faux pas dans un orphelinat, tu prends les bonbons de 500. Tu donnes aux orphelins. Arrêtez vos trucs, vous priez, seulement prier. À la prière, on ajoute quelque chose. Et ta prière est plus effective quand tu prends. Seigneur, voilà l'offrande que je donne. Seigneur, voilà le don qui est fait aux orphelins. Seigneur, voilà la dîme que je paye. Seigneur, pour ceci que je donne, je demande ça. Apprenez. Vous allez plus rester 10 ans à attendre que vos prières soient répondues. Parce que quand vous priez, vous ne mettez rien, aucune action dessus. Avant, j'avais les lignes de prière, non? Priez pour moi pour ça. Oh, Seigneur, nous demandons ça, nous demandons. Je préfère que toi-même, tu apprennes. Tu te lèves le matin, tu sais que je me suis levé à 3 heures, j'ai fait mon pipi. J'ai mis le sel dans l'eau, j'ai mis le pipi dans l'eau. J'ai parlé sur ça, j'ai lu mon psaume 35. Je me lave. Tu es en train de poser un acte que tu viens joindre à la prière. Arrêtez vos trucs là. Arrêtez ça. Allez voir dans la parole.
Jésus, c'est un homme d'action. C'est ce qui vous dérange. Vous allez rester derrière votre téléphone tous les jours. Vous n'allez jamais agir. Pas jamais. Je ne suis pas là pour donner l'explication de vos rêves. Voilà. Je sais que vous aimez ça, il ne donne pas. Développez confiance en vous. Parce que malheureusement, vous aimez toujours attendre que quelqu'un vienne. Dis-moi non, dis-moi. Je peux professer sur ta vie et dire que tu ne vas pas réussir. Tu te lèves et tu dis que non, je refuse l'autre là. Je vais réussir. Arrêtez de dépendre seulement de ce que les gens ont dit pour penser du bien de vous. Hey, there's nobody to cheer me up. I'm going to cheer myself up. Il n'y a personne pour m'encourager. Je vais m'encourager moi-même. Jocelyne, tu peux. Tu peux. Lève-toi. Mais attends, ma chérie, regarde. Et j'ai des voisins qui... Maman, le parking de mon immeuble, c'est violent. Tu descends, range au donc. Ma voiture, c'est l'une des plus vieilles voitures du parking. C'est ça que je veux. That's what I want. Oui. Arrêtez vos trucs. Je ne sais pas. Est-ce que ça va aller? Est-ce que tu peux le faire? You can do it. Now wake up and put action onto it. Agis. Fais le marketing des réseaux. Prends les produits. Tu dois avoir au moins 50 trucs. Si tu parles avec quelqu'un, tu dois lui vendre quelque chose. Vous savez, vous me connaissez, non? Je vous ai dit qu'il fait les lavages tout à l'heure. Je vais aller faire le lavage tout à l'heure. Il y a des consultations qu'il avait fait. Et on vend les kits. Kits de déblocage. Kits fondation pour enlever les malédictions générationnelles sur toi. Tout. Les ensembles, les produits, venez ici acheter. Commandez, on vous envoie. You have to be up to something. Tu vas être toujours en train de faire quelque chose. Ne restez pas comme ça là. Vous attendez. Est-ce que je peux? Et vous allez dire, si vous me suivez depuis 3 mois, rien n'a changé dans votre vie, quittez sur ma page. Quittez sur ma page. Vous pouvez me contaminer dans l'autre sens. C'est moi parce que tu es en train de me regarder à travers le téléphone, là, ton énergie vient sur moi. En un mandat. Voilà. Vous savez ce que vous avez à faire. Arrêtez de douter de vous. Arrêtez le doute. Arrêtez le doute. Depuis que tu veux ouvrir la chaîne YouTube, tu tournes quoi? Tu tournes quoi? Moi, je ne connais pas parler. Regarde mes cheveux. Regarde, on en a rien à foutre de toi. Je peux parler dans la vidéo si je n'ai rien sur moi. Je parle comme ça. Je parle. Parce que de façon, les gens n'en ont rien à foutre de toi. Si je ne vous donnais pas les informations, vous ne seriez pas ici. C'est un fait. Commence à apporter la valeur aux gens. Oh, tout tourne autour de toi. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Va faire la chaîne YouTube là. Va faire la chaîne YouTube là. Tu quittes les gens tranquille. Je vais faire une chaîne où je vais enseigner. Tu as commencé par quoi? Because that's what we want. C'est tout ce qu'on veut. On n'a rien à foutre des insécurités. Que tu te mettes homme. I don't care. Voilà. Allez faire des choses s'il vous plaît. Bougez. Bon, maintenant, je saurais quoi dire à une femme qui est dans une situation comme ça. Là, tu es mariée. Elle m'a dit, sois sage de certaines choses, c'est tout. Sois sage. Il y a des deals que tu peux faire avec les gens. Tu investis telle chose. Il y a une certaine réunion que tu fais. Tu mets ton argent à la fin, ça te produit. Tu pars, tu cotises 10 millions. À la fin, on te donne 15, 13 millions. Parce qu'ils vendent, ils revendent l'argent. Quand vous partez faire la réunion, ne faites pas seulement le genre de réunion qu'on dépose seulement l'argent, ça ne produit pas. Il y a la réunion qu'on dépose, on vend l'argent. Multipliez votre argent, non? Marchez avec les gens. Soyez dans les gens d'endroit que tu sais que si je suis dans la réunion, c'est sûr qu'on est seulement 2 personnes. Ça va m'apporter quelque chose. Parce que là, lui là, il sort même 5 containers par semaine au port. Lui là, lui, tu es dans ton petit. Tu es dans ton petit coin comme ça chaque jour. Non? Come on. Come on. Et tout a un prix. Parce que le genre de salle où tu as les gens, imagine ce genre de personnes-là. Tu vas coûter au moins 500 000 ou 1 million le mois. Donc les plénicheurs là, qui étaient derrière moi. Il m'en fout de ça. Il m'en fout de ça. Bon, vous passez une bonne journée. C'était votre reine, ok? L'unique.
L'incontournable. L'indétrônable. Même de l'autre côté de la vie, je serai toujours reine. Vous avez suivi. Voilà. Maintenant, réveillez-vous vous-même. Je comprends pourquoi Jésus a dit, je suis le roi des rois. Jésus avait compris que je suis un roi. Ils sont des rois. Je suis leur roi. Je n'ai pas encore compris. Tu es au mauvais endroit. Il dit encore. Avec moi, hein, soit tu me likes, soit tu me délikes. Soit tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. Tu ne peux pas être neutre. Je ne veux pas la neutralité. Tu ne m'aimes pas. Délike ma page, tu pars. Même si tu avais mis ton like, enlève. Tu appuies, ça va partir. Oui. Mais quand tu m'écoutes, tu dois agir. Tu dois faire quelque chose. Tu dois aller faire quelque chose. Sinon, le mois prochain, ta vie sera là. Voilà, janvier qui est passé, non. On est en juin, non. Qu'est-ce qui a avancé dans ta vie? Je parle du lavage, je sais, chaque jour, je sais, tu ne t'es jamais lavé, non. N'est-ce pas? Même un lavage à distance, et que tu as payé pour faire un jour. Tu as pris un kit, rien, non. Continue, ne t'inquiète pas. Nous, là, c'est devant. L'action, c'est ça qui va vous sortir de votre pétrin. Pas le doute, pas les on dit, pas les ce qu'on va dire. L'action. Point. Point. Arrêtez vos gens que vous tuez au téléphone avec du 3 heures de temps. Même B doit connaître. C'est pas même pas business avec B là, c'est mort. B, on va parler de quoi? Ah, je t'aime. Non, moi je t'aime. Non, raccroche. Tu me dis, ah non, quand tu me dis raccroche, tic, j'ai raccroché. Et toi d'abord. Non, clic, j'ai raccroché. Je vais, j'ai raccroché, j'ai déjà raccroché. Ok. Ah oui, tu. Non, toi d'abord. J'ai raccroché. Parce que j'avais une cliente, oui. Dis-moi déjà, ok, mais c'est comment? Je suis en meeting. Voilà le nombre de téléphones que j'ai. Je vous parle avec un téléphone. Voilà les téléphones. Ça fait commenter. Voilà. On n'est pas venu pour dormir. Pour faire l'amour dormir. Pour faire quoi? Voilà tout ce que vous... Voilà, c'est dimanche, non? Relax. Tu sais combien de business tu peux mettre sur pied ou checker en ligne dimanche? L'avantage, c'est que dimanche n'est pas saturé par les appels. Dimanche n'est pas saturé avec les gens. Il n'y a pas l'affluence. Non, non, dimanche, on va aller à Limbé, on va aller. Tu vas construire ton empire quand? Si tu n'as pas l'argent, c'est parce que tu ne travailles pas. Tu comprends, non? Tu es paresseuse. Point barre, ça ne vous plaît pas, vous partez, vous vendre, je m'en fous. Vous êtes paresseux. Quand tu vas commencer à travailler, tu vois, mon argent va venir. Sur ce, je vous dis au revoir. La grande prêtresse vous dit au revoir. La reine Jocelyne. Je vous envoie plein de lumière. Déclare que les paroles que vous avez écoutées et les idées qui ont germé ne vont pas partir. Elles vont porter fruit. Selon Isaïe 55, versets 8 à 12. Cette parole qui est sortie de ma bouche va porter fruit en vous. Quand tu commences le sel, ce n'est pas tout. Tu dois progresser. Il y a les kits maintenant que tu dois acheter. Tu m'écoutes, tu n'as pas l'argent. Commence avec le sel. Tu prends le sel, tu mets dans l'eau. Il y a le kit attraction. Il y a ma secrétaire qui m'a fait un témoignage ici par rapport à son mari. Quand elle a commencé le kit attraction, premier jour, elle vomit un truc bizarre. Parce qu'il y a une poudre dedans qu'on boit. Quand elle a bu la poudre là, elle a vomi. C'était jaune bizarre. Le lendemain, son mari vient s'asseoir. Il s'agenouille. Ouais, ma, pardon, désolé. C'est lui qui vient. Il avoue. Toutes les fois, il a trompé. Lui-même, il avoue. Et il demande pardon. Le troisième jour de son kit de déblocage avec jeune, il vient avec un cadeau. Elle dit qu'elle voit la babouche à la maison. Elle dit que peut-être j'ai mal vu. Elle demande que c'est pour qui? Il dit, ben, c'est pour toi. Il est venu avec le cadeau. Marie là qui l'a guetté même plus, qui l'a regardé même plus. Il ne l'a regardé plus. Et avec quelque chose qu'elle lui demandait depuis. Deux jours après, ce jour-là, donné les sandales. Dans la nuit, là, il tourne sur le lit. Elle dit que c'est quoi? Il dit, je sais ton truc que tu as demandé depuis là. Oui, je vais te donner.
Tant que tu ne te rends pas compte que ta vie était bloquée, tu vas croire que tout va bien. Tu souffres trop pour payer tes loyers. Dès que tu trouves ton salaire dans les 4 jours ou 7 jours qui arrivent, qui sont passés là, le salaire est fini, non. Tu as toujours un manque d'argent. Tu as un manque d'argent. Tu prends ici, dès que ça touche ta main, c'est fini. Pas pour construire quelque chose, pas pour. Tu ne peux pas montrer quelque chose que tu dis que j'ai mis là-bas, non. Un business que tu as commencé, non. Maladie. Ça suce l'argent. Be wise. Soyez sage. Ok? Bonne journée. Je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Wow. Je m'en